وعن فترة توقف المنافسة إلى غاية شهر مارس، أوضح بالماضي أن الوقت حان للاستفادة من فترة راحة بعد هذه الإنجازات، كما أكد أن الطموح بات أكبر بالتفكير في تصفية كأس العام 2022. C'est une période, c'est vrai, qui sera creuse, mais on a enchaîné cette CAN. D'ailleurs, on a été loin de nos familles pendant très longtemps. On est resté 2 mois ensemble, entre juin et juillet. Après, on a enchaîné sur le mois de septembre 3 semaines, sur le mois d'octobre 3 semaines, sur le mois de novembre quasiment 3 semaines. En tout cas, moi, j'arrive assez tôt pour préparer tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on est loin de un peu de nos familles, tout ça. C'est normal, ça fait partie du boulot. Donc, on va se reposer un petit peu dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voilà, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, beaucoup, beaucoup de travail de l'ombre. Vous n'êtes pas au courant, on est sur les terrains, on est sur les stades. J'ai un staff qui est tous les week-ends présent sur les terrains, là où il y a nos joueurs, ou des joueurs déjà en équipe nationale, ou des joueurs probables et que l'on suit, qu'on veut l'on suivre sur plusieurs matchs, pas seulement sur des bouts de match ou sur des matchs qu'on peut voir à la télé. Donc on les suit régulièrement pour pouvoir. Donc objectif rempli. Maintenant, voilà, c'est ça. On va maintenant jouer sur deux compétitions, deux campagnes de qualification, et la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. C'est des choses qu'il va falloir aussi bien maîtriser. On va avoir le tirage au sort bientôt, en décembre, janvier, je crois, ça, à Doha. Donc on aura la possibilité de bien, voilà aussi d'ici là, ce qu'on aura la possibilité de faire, c'est de bien travailler sur les oppositions ou sur les équipes que l'on va affronter.